Ah, il faut toucher subtilement la personne. Ah. Alors, oui, toucher subtilement, tout dépend de la proxémie de la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle n'est pas touchée, il ne faut pas arriver comme un gros lourd à mettre sa patte sur sa main. Non, mais quoi. Genre un petit, tu vois... Effleuré. Effleuré. Exactement. On effleure les verres. Genre ça, je vais le faire à Jean-Mi. Allez-y. Hein. Allez-y, faites-le à Jean-Mi. Faites-le à Daniel. Genre, on est... Faites-le à Daniel. Allez, non, pas toujours à Daniel. Faites-le à Daniel. Allez, montrez-moi. Tu vois, on est... Ouais. Super. Allez-y. Non, mais c'est super sympa que tu sois passé, vraiment. Ouais, mais j'avais vraiment envie... Non, je veux vraiment que tu viennes le 8 mars. Magnifique. C'est hyper érotique. On peut dire. Mais qu'est-ce qu'elle ressent, madame? Parce que j'ai vu ses yeux pétillés. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a envie que je la quête. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je peux raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'elle ressent, voilà. On va pas mentir au public, c'est tous midis en honnêteté, on va pas mentir au public. Vous avez un érotisme, bah là c'est déjà d'un érotisme torride, quoi. Donc qu'est-ce que ça va être le 8 mars? Plus il a été malin. Wow. Il a été malin, vous êtes pas apesanti. Non. Vous êtes resté vraiment extrêmement là. C'est sur ça que ça joue, parce que c'est vraiment fort, le fait de susciter... Oui, on voit que c'est un expert. Et son regard a changé. Ah oui, oui. Je le passe à quelqu'un d'autre. Il a touché le doigt, on met la bague de confiance. Vous voulez que je le fasse à qui? Delphine. Je peux faire à Béatrice, à Delphine, à quoi? Je peux faire à tout le monde. Je le fais à tout le monde. Attention, Audrey. À Géraldine. Il noie le poisson. Ça va, Valérie. Prenez les cours, allez, regarde. J'ai très envie que tu me fasses des keftas. Je te les ferai avec plaisir. Ça. Eh ben voilà, elle, voilà. Tu sais que je connais pas du tout l'Amérique. Non mais c'est vrai. J'aimerais beaucoup qu'on parte dans le Massachusetts. Voilà, ça y est. Là, c'est très fort. Les mecs, électrique. Vous faites changer les regards. Parce que je connaissais un pote en Alsace. Jürgen Schmidt, il faisait des cuisines. Tu vois de qui je veux parler? Oui, je le connais. De nom. Faudra que tu me le présentes. C'est une masterclass. Et en plus, vous voulez tourner le dos après. Tu tournes le dos, tu pars. Tu as raison, Gérard. Bravo. Parle-lui de Daniel, tiens. C'est à toi, cette banane? Elle est à moi. Non, tu sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça marche, ça marche. Ça marche, hein. Ça fonctionne pas. C'est incroyable. Et vous n'avez jamais pris de cours, c'est inné, ça. Allez, on y va, Cyril. On est humilié, Louis. Ah ouais. Prenez des notes, les gars. Pourquoi maintenant tu fais ce métier, toi? T'es love coach, en fait. Ouais, je suis thérapeute à la base, hypnothérapeute, sociologue aussi. T'aimes l'amour, en fait, c'est... Bien sûr. Je suis presque amoureuse de l'amour. Moi aussi, j'aime l'amour. Oh là. Et on a besoin de pratique. Bien sûr. Ah oui. On va pas tout faire.
Parce que non, là, parce qu'après, c'est pas bon. Là, je vois le prochain truc. Là, c'est pas bon. C'est quoi? Quoi? Après, il faut faire quoi? Pratiquer la fellation.